Objectif conférence là, tout d'abord, il y a trois objectifs. Le premier objectif là, c'est pour nous dénoncer coup d'État. Un groupe citoyen levé pour un avion, t'as le fait Jamaïque, PM dans des vieux cours. Mais je viens nous entendre avec eux, puis ouvrir HCTA et puis participer dans le consensus pour mettre un gouvernement largement large. Deuxième bagage, pays a gagné deux problèmes, il y a deux besoins. Tout le monde qui est intéressé à pays, il faut travailler sur un ça. Et pour ça, nous conseillons HCTA pour yo chita avec secteur vodou, collectivité et syndicat chauffeur pour un conseil. Zore ou pas de plus long qui était tout. Qui deux problèmes? Deux problèmes, non, c'est que l'insécurité a cap fait rage et puis nous pas une autorité légalement constituée. Qui deux besoins ça? Nous besoin sécurité et nous besoin élection. Donc tout le monde, ce n'est pas monter Washington, Panama, Guyasso, Guyane, Saint-Domingue, pour aller fomenter coup d'État, pour mettre président, bon cathédrale, ou bien des Negmaron, etc. C'est élection pour aller pour gagner président qu'on voulait mettre en tête pays. Donc c'est pour raison ça, nous-mêmes, nous disons que ça qui est important, ce n'est pas faire coup d'État, c'est organiser une élection libre, honnête et démocratique, Jean-Pierre Ariel Henry, décidé pour faire là. Deuxième point, c'est pour nous dire que Pierre Espérance impliqué juste dans le coup dans la mort Jovenel Moïse. D'après témoignage Solaï Vincent Pasteur Sanon, que juge Gary Aurélien qui était le Pierre Espérance, balonti information sur ça. Même Pierre Espérance s'en fait révoquer le juge là parce qu'il dit le juge a demandé l'argent parce que lui connaît que le juge a eu une preuve, une déclaration de M. Sayo. Que lui-même, lui dans la mort Jovenel Moïse. Deuxième considération qui fait nous dire ça, c'est que Pierre Espérance recrute trois mercenaires dominicains. Felipe Minguel Antonio, qui est chef là, José Manuel Pereira, Juan Rafael Pineda. Next, il dormi avec Pierre Espérance, il dormi Torcel, il dormi Pèlerin, et il était présent sur les lieux côté Jovenel Mouria. Yo dit ça à DCPJ pendant que yo dans prison en République Dominicaine côté que DCPJ te voyon délégation attendé nèg sa yo pendant 3 jours et yo vini à information ça. Donc pour cela nous dit juge là, n'a voyon deuxième requête bali parce que nous gagne des noms qui important et que nous-mêmes nous connaît que Jovenel Mouri pour massacre la Saline que tout le monde connaît. Qui ça s'atteye? Pierre Espérance font rapport en 2018, ils font l'autre rapport en 2019. Tout rapport en vain, ils ne peuvent jamais mettre dans le Jovenel. Ils viennent font deuxième rapport, ils mettent dans le Jovenel. Côté que lui dit, Jovenel te fait massacre, il prend trois petits grands mouns à le porter plainte avec complicité Mario Beauvoir, qui est un avocat qui est à la solde de Pierre Espérance. Avec John Joel Joseph et on équipe l'autre nègre encore. Nous connaissons tous les nègres. Ils ont écrit l'ambassade américaine pour être informé de l'existence au mandat. Et puis ils ont joint le commissaire gouvernement Paul Léon Zuillard et juge Jean-Roger Noël Sius monté mandat pour eux. Mais comment Jovenel mourit. Donc Pierre Espérance, c'est une parmi criminels qui impliqués dans la mort Jovenel Moïse et qui impliqué dans le massacre d'Elma 32 avec tout Dominicain que nous contendons là. Yo. Donc, nous avons l'autre information qui est venue, mais en attendant, c'est ça que nous exigeons, nous conseillons, nous suggérons pour que l'État pays, responsable pays, hein, tende trois secteurs, ça, yo, pas dans grand rencontre, mais dans un porte fermé. Ok? Nous avons 8 clous pour nous avoir une stratégie pour nous résoudre le problème de sécurité. Hein. C'est le secteur vaudois qui est très proche pour nous. C'est le syndicat de transport avec collectivité territoriale. Ça, c'est un conseil que nous voyons par responsable. Nous avons dit pour nous finir, c'est que depuis 6 janvier, nous avons démarré avec le congrès. Nous. Jeudi à là, après 6 mois, nous clôturons le rapport et délégation qui a été gagné pour faire le congrès. À travers tout le pays, recenser organisation de base
côté que nous avons plusieurs centaines d'organisations qui sont affiliées avec nous, que dans le dénombrement nous fait, nous déjà à presque 25 000 organisations de base. Donc nous-mêmes nous disons que c'est sécurité n'attend avec élection, parce que nous finissons à congrès nous, et du 14 août au 26 août, nous allons lancer formation nationale sur tout pays là, déjà là, ouais, toute bandoule qui là, c'est des organisations affiliées, membres fondateurs de la plateforme politique Victoire.